Bonjour. Et bonjour, bonjour Bonjour tout le Troc, comment monde. vas-tu? Mais bonjour Black Devil. Ça va. Ça va, Très donc bien, ton son est très bien, c'est OK. impeccable. Tant mieux. Donc, est-ce que vous l'entendez bien sur le chat? Salut Hugo, comment ça va ma poule? Et donc, nous voilà revenus, donc on a été là. Donc, après ces 3 mois d'absence, je sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Faut voir les quêtes là, je sais plus ce qu'on Journal, ouais. je sais plus ce qu'on fait. On en a plein. Alors attends, j'ai des trucs. J'ai des trucs en noir qui clignotent. Je pense que c'est les quêtes terminées. Ouais, sûrement. J'ai des trucs en blanc. Je pense que c'est les quêtes en cours. Et j'ai un blanc qui clignote. Je pense que c'est une nouvelle quête en fait. Ah, ça doit être ça qu'on vient de faire. Fléau des morts-vivants, ouais. Ouais. Putain, t'as vu? Donc tous les trucs en blanc, je pense que c'est les quêtes qui sont pas terminées. Mais en même temps, on va un peu n'importe où. ouais, Stras, j'ai vu ton truc pour Half-Life, je vais télécharger le truc. Ouais. Et si on faisait, attends, vous m'envoyez Charmé. Nous avons rencontré deux gardes de Cizal qui se disputaient pour savoir s'ils allaient tuer un orque envoûté ou l'interroger. Putain, mais c'est vieux ça, non? Ouais, c'est vachement vieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je crois qu'on a tué tout le Comment? monde. Mais en fait, je pense qu'on a des. Ouais, non, même pas. Ah merde, l'écran du jeu bouge pas. Ah merde. Ah ouais, moi non plus. Ah si, avec les flèches, avec les flèches. Non, c'est sur le live. Attends, Ah d'accord. non. Je vais faire comme ça. Ah voilà, là ça marche. Ok, ouais, il y avait un freeze sur le live. Mais c'est pas grave, là ça marche. Donc on Ok. refait l'intro. Ouais. À nouveau. Bonjour, D'accord. salut Tron, comment tu vas? Bonjour Black Devil. Et après la énième intro. Ouais. Voilà, là ça Ah mais marche. attends, on voit sur la carte. Des marqueurs de quête là. Attends, j'ai un indicateur personnalisé, je sais pas ce que c'est. Non, mais en fait, Alors je sais pas. attends. Je sais pas si c'est genre que la quête principale ou. Bon, bah là c'est dur, hein, parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas repris, là C'est on vrai. reprend, et putain. Alors. Tac, carte. Ah Ah, oui, sur la carte, il ouais, y a plein de trucs. ouais. Entrepôt du port, les trucs jaunes, c'est la quête. Quel truc L'église qu'on vient de abandonnée. finir, c'est la quête Le Fléau des morts-vivants. Voilà. Marqueur de quête. Qui est pas fini du coup. Ouais. Et en Mais fait, bon. faut qu'on aille à l'église abandonnée, si je comprends bien. Je sais pas. Ah oui, c'est la quête jaune, ça? Ouais. D'accord. Ça c'est la quête principale, je crois, non? Selenia, le lieutenant, pardon, de la Légion nous a demandé de trouver la cause de l'invasion de morts vivants. Ouais, mais c'est ça. J'ai compris. Ah ouais, ok, alors attends, et si je prends un amour de chat, par exemple, est-ce que ça me change mon marqueur de... Non, ça change pas mon marqueur de quête. Ah ouais, je Ah sais pas, je oui, comprends pas je très vois bien ce que comment tu veux dire, marche là. ouais. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est quand j'ouvre, vous m'envoyez charmé. J'ai les 5 fantastiques et l'expérience ratée d'Aru qui se switch, je sais pas pourquoi. Ah. Je sais pas si ça te fait pareil. Bon, en fait, ça me le fait pour tous, hein. Un bug. Ok. Alors attends, Tom, apprenti aventurier. Charlène, la servante du maire Cécile, nous a dit qu'elle cherchait son frère Tom. Il voulait devenir aventurier, elle n'a pas eu de ses nouvelles depuis un siècle. Ah, d'accord. Je pense que c'est des Ouais. quêtes qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on va croiser Ouais, autre, mais je il y a pense. aussi des quêtes qu'on a à mon avis pas terminées. Je sais pas, je pense à les 5 fantastiques. Parce que ça, je m'en souviens, c'était un truc dans la grotte là. Ouais. Attends. Nous avons Ah, débarrassé la regarde. grotte de ces morts vivants. Ouais. Attends, vas-y, finis, ouais. Ouais. Cependant, nous devrions avoir notre part de la récompense dès que Cécile aura payé Mandius. Donc il y a un truc, faut genre forcer Cécile à payer Mandius, mais tout ça c'est en ville. On n'a pas Ah, fait ça. franchement, je te propose que qu'on refasse un petit tri de ces quêtes. Qu'on Ah aille ouais, voir bah regarde. ce que Ouais. l'on pourrait finir. Moi je te propose d'aller voir le maire Cécile là. Je viens de voir, on a aussi récupéré le grand bâton de Cécile, mais on lui a pas ramené en fait. Bon, bah alors on y va. Ouais. C'est des genres de trucs là. Ouais, faut faire un tri, ouais. La sorcière, qu'est-ce Y que avait pas c'est? un truc pour courir?
Ah, c'est quand tu cliques loin. Double clic, ouais, je crois. Merde. Oui. Je crois que par là, c'est genre, t'as des pièges partout, donc on va éviter. Ah oui, attends, bah, je vais te suivre. Je sais pas où t'es. En fait, je te vois plus. Écoute, comment tu te déplaces sur la carte? Uniquement avec les... Bah, je clique... Avec les flèches. Ah, okay, j'active oh, les putain, pièges dans la maison. Trucs, hein. Ah merde, attends. C'est pas bon. Tu sais quoi, je vais contourner, moi. T'es bloqué. Ouais. Elle peut se soigner, ta nana, je crois. Ouais, elle peut se soigner. Mais il y a un portuaire là. Un portail, putain. Juste ici. Ah oui, c'est vrai. Tac. Ah, mais pour y aller, je dois quand même passer par la maison, merde. Tu te démerdes. Toi, t'es où? T'inquiète, je vais trouver. T'es bloqué. Non, mais attends, passe par en bas. C'est bon, j'arrive. Je suis en train de faire un run de malade. C'est bon. Il y en a un qui va se faire empoisonner, je parie. Ah non, t'inquiète, je gère. C'est bon. Mais le portail, il est à ta droite, là. Il est un peu en route. Il est là, voilà. Ah oui, je vois. Ah non, c'est pas ça. Il est tout à droite, ouais. Ah d'accord. Il y a juste à traverser le pont. Voilà, ça charge, tac. Sauvegarde auto. Alors, mon personnage s'est arrêté forcément, c'est bien ça, avec la sauvegarde. Allez, poulet, nanana. Ah, ouais, puis on va réparer l'équipement comme ça, là, parce que c'est un peu le bordel, là. Ah, attends. Ah c'est moi, ça rare, on a gagné 1000... Ah non, c'est en fait parce que j'ai découvert le portail, tout simplement. Ah, d'accord. Pour ça, ouais. Ok. Mais je sais pas pourquoi le rat est marqué en jaune sur la carte. Genre, il veut me parler, en fait. Ah, oui, mais on parle pas aux animaux, je crois. Il me regarde, ouais, je pense que c'est une quête, ça, putain. Ouais, il faut qu'on apprenne le langage des animaux avec quelqu'un qui est inutile. On apprenne à parler le rat. Voilà. Salut, Philogis Elvaval. Ça va, et toi? Alors... C'est où la maison du maire? Ah bah, j'ai trouvé Cécilia, je sais pas si c'est la femme du maire, là. C'est la nana qui prenait son bain. Ah oui, elle est où? Elle est... je crois qu'elle est à côté de la mairie, justement, là. C'est la petite maison collée à la mairie. Mais tu t'es téléporté? Ouais. Et je suis au marché. J'arrive aussi. On va réparer aussi, ouais, après. Voilà, bonjour monsieur, voilà, comment allez-vous? On se croise. Bonjour. Alors, tac. Il y a un chat là. Miaou, il s'appelle Maxime. Ah, c'est lui le maire, c'est Cécile. Ah, vas-y, je te laisse lui parler. Non, vas-y, t'inquiète, moi, il me déteste, les gens. Je pue. Ah oui, c'est vrai. Alors, oh putain, j'ai plein de choix de texte. Ah merde, j'ai plein de compétences aussi, ouais. Quelle nouvelle. J'ai trouvé le bâton de Pergamon. Oh. Comment vous l'avez trouvé? Voilà une excellente nouvelle, où est-il dans ce cas? Donnez-le-moi, continuez. On entame un dialogue double. Cette relique semble puissante, je pense que nous allons la conserver. Ouh, attends mec, il y a un choix à faire. Hein. Ah. Il fait quoi ce bâton là de... C'est toi qui l'as? Je sais pas, mais je sais pas ce qu'il fait en fait ce bâton. Je peux pas quitter le dialogue. Ah merde. Putain, c'est le genre de truc où faut regarder sur internet parce que sinon tu fais le mauvais choix. Merde. Bah vas-y, il dit quoi? Ah oui, alors attends, est-ce qu'on le donne ou pas? Je sais pas ce qu'il fait ce bâton. Attends. Bah regardons sur le net. Hein. Ouais, je vais regarder vite fait. Dis-moi pour l'instant, je vais juste déplacer un peu le chat sur la vidéo parce que c'est sur notre image de perso. Vas-y, je fais test. Tac. Ah, comme ça, je le déplace un petit peu. Tac. Save. Encore un petit peu. Tac. Voilà. Et là, en fait, on peut soit le rendre, soit juste le garder pour nous. Je pense qu'on va le rendre dans ce cas-là. Parce que... Je sais même pas ce qu'il fait. Here it is, the staff of Pergamon. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Le voici, le bâton 1-1. Oh, là c'est à moi de répondre en fait. Ah, c'est à toi, ouais.
Je vais juste le mettre en garde. Ouais. Silurion a pris bâton de Pergamon à travers grâce aux poches magiques. Alors. Magnifique, simplement magnifique. Approchez. Il faut que je vous remercie d'une façon ou d'une autre. Oh, je sais, un mois gratuit comme membre d'honneur de la bibliothèque de Cizéal. C'est quoi le nom du jeu? C'est Divinity Original Sin, ma poule. Ouais, c'est ça. Le premier du nom. Donc on est. En fait, là, on a un mois dans sa bibliothèque. Bah écoute, il y a peut-être des trucs drôles à prendre dedans, je sais pas. En fait, je sais même pas s'il y a une bibliothèque, ça se trouve, il n'y a pas de bibliothèque. Si, regarde, parlez-moi de Victoria, l'orque bibliothécaire. Ah oui, et pouvez-vous m'en dire plus à propos de votre bibliothèque? D'accord. Il y a peut-être des trucs bien, ouais. Chère petite. Ah, mais c'est lui! Il avait adopté l'orque! Ah ouais! Je lui ai fait découvrir ma bibliothèque lorsqu'elle était enfant. Elle s'est vite rendue compte que les idées préconçues que nous avions à propos des orques, nous autres, les humains, étaient totalement fausses. Ils n'ont rien de bête, sauvage. Ah, donc l'autre orque qui était avec les gardes, faut l'amener à lui, là, à mon avis, pour qu'il l'adopte aussi. Je sais pas. Quelqu'un aimerait voir Victoria dans sa tombe. Ah oui! Vous avez tué cet illuminé. Ce n'est pas véritablement ainsi que je conçois la justice, mais tant qu'à ce qu'il y ait un mort, j'aime autant que ce ne soit pas mon trésor de fille. Du coup, on va dire que je n'ai rien entendu. D'accord. Les cinq fantastiques, tiens, voilà. Parce qu'il fallait les payer aussi. En fait, c'est lui qui a toute ma quête. Je vais chercher ma tenue d'apiculteur. Ah merde. Bref, qu'importe. Cinq veules sadiques. Oh, on a gagné un succès. Ouais, j'ai eu un succès, Fabulous Disaster. Ouais. Quel combattant fabuleux. Putain, tu parles, on a tout fait à leur place, je crois. Ouais. Ah, il y a le chat Maxine, là. C'est le chat qu'on vient de voir. Ah, j'ai rencontré votre chat. Qui rôde toujours dans les parages. J'ai passé des mois à essayer d'apprendre à ce cabot à me rapporter quelque chose. Chaque leçon, il l'a passé assis à me dévisager comme si j'étais le dernier des crétins. Le meilleur ami de l'homme, mon œil. C'est les chiens, le meilleur ami de l'homme. Alors, que savez-vous à propos d'un dénommé Bracchus Rex? Oh. Cette crapule a marqué d'une pierre de honte l'histoire de Rivellon. Cela m'écorche la gorge de le dire, mais Cizéal était autrefois l'un des bastions des adorateurs du despote. D'aucuns disent même que sa dépouille aurait été ensevelie sous l'église abandonnée située sur la falaise. Oh putain, ce ne sont que des récits d'ivrogne à mon avis. Ah bon, mais on y était là-bas, là. On y était. Non. Ah non, c'est l'autre église. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, je crois que c'est l'endroit où on doit se rendre, là. Ok. Et d'accord, c'est quoi le Jack là? On vous soupçonne, machin. Ouais. Suis-je bête? Enfin bref, je suis sûr que rien ne m'accuse dans cette affaire. Poursuivez votre enquête et vous le constaterez par vous-même. Vas-y, on va tout lui demander de toute façon. Oui. Pourquoi diable me parlez-vous de beefsteak? Je ne suis pas cuistot. Putain, mais dis donc. Hey, il est sourd. Ah, il est sourd, ouais. Il faut que vous la voyez, c'est le joyeux de Cizéal. Une petite visite. Je vous accompagne moi-même en haut. Bah, très bien, vas-y. Suivez-moi. Journal mis à jour. Oh putain, on déverrouille les quêtes, putain. C'est bon, ça. Alors, on a validé une quête, on en a récupéré 5. C'est bien. C'est le problème de mon jeu, souvent. Les jouets de la couronne, le bastion de la culture et l'industrie de cité. Vous êtes tous les ouvrages dont vous pourriez rêver et son brillant esprit connaît jusqu'au dernier secret de cet endroit. A bien grandi, nanana. Au milieu de ces livres qu'elle aime tant suffit à m'émouvoir. Je te sens tout de suite. Ayez l'obligeance de vous présenter, je vous prie. Victoria va être ravie de. On l'a déjà fait ça. Ah ouais? C'est possible. On l'a déjà rencontré l'orque. Là, elle est là-bas là. C'est possible, ouais. Alors attends, on a fini quoi comme quête? On a quand même fini une quête là, je pense. J'ai réduit tout. Ah, on a fini les 5 fantastiques. Ah oui, on a fini les 5 fantastiques, le grand bâton. On en a fini 2. C'est bon ça. Et on a gagné. Ah non, ça c'est un autre. On n'a pas gagné d'XP par contre. Ouais. Ça, mais tu vois, il y a une quête là. Un amour de chat. On a récupéré un objet qui appartient à Sam. Je sais pas si tu viens de ce chat dans l'auberge là qu'on avait vu. Ah et, oui. Ouais, son collier. Mais on peut pas lui rendre parce qu'il parle pas comme nous. Il faut qu'on apprenne le chat. Est-ce qu'il parle là? Ouais. Ah, c'est toi? Puis-je prendre des livres? Ah, on peut. Faudra qu'on les rende après. Ah merde. Parlons de l'elfe. Oh. Oh putain, 1800. Ah bah c'est bon ça. Ah oui, c'est. Bah, en fait, c'est elle qui nous a donné la quête, comme quoi il y a quelqu'un qui voulait la buter, non?
Ok, je préfère partir. Oh, il y a un coffre, on a gagné un coffre. Oh putain. Vas-y, je te laisse le regarder ce qu'il y a dedans là. Pour que... Celui-là, ouais, le... au milieu de la salle, ouais. Coffre de récompense. Mais il est vide. Non, non, l'autre, à côté de toi. Ah, tu viens... ah oui, ouais. Je le voyais pas, putain. Mais il vient d'apparaître pour toi. Il y a du coup une arbalète violette là, ça c'est pas mal pour Wolfgraf ou qui est spécialisé dans les arbalètes justement. Alors attends, faut que je te le file. Ou peut-être. Ah non, il est même pas spécialisé en fait. Non, non, il a pas de spécialisation donc comme je on veut. Je peux les identifier moi. Ah ok, oui, bah passe-les à Trog, lui identifie tout ça. Je te les ai envoyés, je regarde si j'ai rien d'autre. Oh putain, j'ai gagné un tome aussi, c'est quoi ? Amulette en cuve, talent de persuasion. Sans force. Sans force. Maître du savoir. Ah, j'ai gagné une invocation de Nick le zombie. J'ai un anneau qui donne plus 1 en maître du savoir. C'est intéressant ça ? Bah, je sais pas, ouais, ça peut être utile sur moi, mais je vais regarder. Je crois que j'ai déjà ça. Je vais regarder. Parce que toi, t'as pas besoin de maître du savoir. Non, j'ai déjà maître du savoir. Je vais envoyer à Bernard. Si, si, je peux l'utiliser aussi d'ailleurs. Ouais, d'accord. Pourquoi pas, parce que j'ai deux anneaux, mais il n'y en a qu'un seul qui est maître du savoir. C'est ce qui me permet d'identifier, justement. Envoyé à Berdo. Putain, j'ai plein de merde. Hein. Plié en bois d'évasion. C'est à deux mains, ça. Ouais, c'est à deux mains. Bouclier. Casque. Oh putain, elle est pas mal, cette arbalète, là. Mais elle nécessite 9 de dextérité, donc je pense qu'il n'y a que Wolfgraf... Tu peux la prendre. Décoratif d'obstacle. C'est de la merde. C'est de la merde. Putain, elle fait mal. Je sais pas si tu fais ça, mais tu sais, il y a un truc bien, c'est trier par date d'ajout, là. Dernier ajouté. J'aime bien faire ça dans les objets. Ah. Ça te permet. Je me rends compte qu'il y a quand même plein de trucs qu'on pourrait vendre. Quoi. Putain, ça fait quoi cette amulette? Ouais, ouais, faut qu'on aille faire un tri, là. On n'avait pas fait depuis longtemps. Livre de compétences, coup de main. Je peux la prendre, ça. Identifier. Là, j'ai une amulette du bison, mais elle fait rien. Donc, je sais pas à quoi ça sert. D'accord, homme d'arme, je peux pas la prendre. Aide un allié en cas de renversement de brûlure. Mais tu l'as déjà, je pense, le homme d'arme. Non, il me dit que j'ai passé, en fait. Ah, d'accord. Ah, ouais, peut-être. Faut que t'améliores. Ah, oui, il faut bien que tu gardes des points de compétences pour améliorer homme d'arme, justement. Ah, j'ai décroché. C'est genre. Ça, c'est bon pour Wolfgraf. Ouais, ouais, Wolfgraf, il prend ça, ouais. Collier de Sam, ça, c'est moi qui l'ai. Ouais, après, j'ai des chaussettes malodorantes. Toujours ça. Alors, du coup, Berdo, qu'est-ce qu'elle a de... Alors... L'anneau, là. Tiens, bah alors, j'ai des gants en cuir qui ont plus un dextérité, plus un de forge. Ça peut être utile pour Berdo, justement. Ok, mon anneau... qui fait plus 1 en maître du savoir et merde et plus 1 en force m'intéresse pas. Je te le file à quelqu'un? Ouais, ouais, à Trogrod. Ok, très bien, ça c'est bon. J'ai une amulette qui donne plus 11 résistance au poison et plus 1 en charisme. Ça m'intéresse plus 1 pas charisme. Ouais, je sais pas, je vais te dire ça. Ça, moi, ça m'intéresse pas le charisme, mais j'ai pas d'amulette sinon, donc je peux quand même la prendre si tu veux. Donc plus 11 en résistance au poison quand même. Ouais, ouais. Donc j'envoie à qui? Bah à Trogrod alors, parce qu'il a pas d'amulette, merci. Il a une amulette qui fait rien. D'accord. Ensuite j'ai des bottes qui font plus 9 résistance à la terre. Non. Est-ce que tu te souviens si Berdautre elle a forge ou ce genre de capacité là, tu sais dans... c'est dans adresse. Attends. Ta fabrication forge. J'ai forge 2. Ah bah voilà, bah attends, j'ai un truc pour toi. Je les ai mis sur Wolfgraf, je crois. Ça fait genre plus 1 en dextérité, plus 1 en forge. C'est des bracelets là qui sont balèzes et ils sont bleus. Ah. Ah, c'est bien ça, parce que moi j'ai de la merde là. Nickel. Donc j'ai des bottes, boucliers, ça t'intéresse? Bouclier, non. Bottes, elles font quoi, t'as dit Les bottes, elles font plus 9 résistance à la terre.
Enfin, j'ai quoi, moi? Non, non. De 15. Non, ça, j'ai mieux. J'ai un Saron qui fait plus 2 en initiative. Ah bah attends, je le prends pour moi. Ouais. Équipé. Impeccable. Putain, j'ai plein de trucs à vendre. Tu as créé une femme dans le jeu? Non, c'est une personne qu'on a rencontrée sur le chemin, qu'on a recrutée. Eh oui, attends, on fait pas ça, nous. Alors, armure en tissu, plus 1 en initiative, plus 14 PV. Ouais. Fendoir affûté, 36, 62 tranchant, 6, 9 dégâts de feu. Griffe d'arachnide de mer, que de la merde. Bon, tout ça après, ça peut être vendu en fait. Mmh. Ouais, moi j'ai plein de trucs à vendre là. Attends, je vais aller sur Wolgraf, mais normalement je suis bon là pour partir. Okay, ça je peux pas. Ça je peux pas. Moi, je vois que mon perso principal, il a 2 disponibles dans des compétences. T'as, j'ai une amulette qui a plus 1 en dextérité, plus 2 en initiative. Ça peut être pas mal, ça. Ah, pour Berdo, d'autres. Bah voilà, bah, je lui envoie. J'avoue que c'est bien. Bim. Ah merde, ça m'a viré mon casque. Non, c'est pas... Pourquoi ça m'a viré mon casque? C'est pas la bonne case. Ouais, bon bah je suis prêt. Je suis prêt. Allez, vendre des trucs. Merde, je peux plus me mettre de casque. Ah bon? Ah non, c'est parce que... Ah mais parce que ça m'a réduit ma force. Ah merde. J'ai plus de force pour porter un casque. Ah c'est ok, bah laisse tomber. Non, non, mais c'est pas grave, je préfère... du coup, je passe un 9 en dextérité. Ouais. Initiative, je peux jouer plus vite. Ouais. Ah oui, autant, on peut prendre des livres, elle a dit. Et mon perso principal, j'ai 2 points disponibles et je sais plus qu'est-ce que Ouais, non, mais garde-les, en fait, parce que je pense qu'il t'en faut 3 pour améliorer homme d'armes. Et c'est ton truc principal, homme d'armes, faut toujours l'améliorer. Et je vois même pas où c'est. C'est dans les... Ah oui, homme d'armes, ouais. Je suis à 2. Ouais, il faut 3 pour l'améliorer, c'est ça qui est chiant en fait, faut garder des points pour ça. Bah, parce que sinon tu vas... Il veut que j'ai 5, quoi, et je suis qu'à 2, quoi. Il faut quoi, pardon? Il me dit qu'il faut que j'ai au moins 5 en capacité homme d'armes, et je suis qu'à 2, quoi. Ah ouais, mais c'est ça, mais le truc c'est que... Ah non. Au prochain niveau en fait je pourrais. Ouais, d'accord. Ok. Oui, t'as 5, c'est le nombre de points que t'as à dépenser là-dedans, je pense, non? Attends. Ouais, c'est le nombre de compétences que je peux apprendre. Ah, d'accord. Et j'en ai trop, là. Ok, bon, bah, attends, il y avait un parchemin, là, mais bon, je sais pas si je peux le prendre, c'est pas rouge. Il est où? Dans une des bibliothèques, je sais plus laquelle. Ah, voilà, là. Parchemin mur de glace. C'est pas rouge. Non, je le prends ou je sauvegarde? Attends, je sauvegarde. Ok. Normalement, c'est bon, c'est pas volé, je crois. Okay, je vais le rendre, hein, je pense, un jour. Ah, c'est bon. Ok, nickel. Merde. Ok, on est parti. Eh, c'est vrai qu'il faut faire gaffe dans le jeu, faut pas cliquer au mauvais endroit. Ok. Bon, moi, je suis prêt. Donc là, il faudrait qu'on fasse... Vous m'envoyez, cher ami, nous avons convaincu les gardes de la laisser vivre. J'irais bien revoir... Attends, est-ce qu'il y a un autre truc à faire avec le maire, là, dans les quêtes? Ouais, pourquoi pas. La servante du maire Cécile. Ouais. Vous a dit qu'elle cherchait son frère Tom. Ok. On a parlé d'une expédition, ok. Expédition à l'église, ok. Nous avons tué tous les morts-vivants de la grotte et avons même réussi à sauver tous les hommes qu'ils affrontaient. Ils ont dit qu'ils demanderaient la Légion de Soupide. De peut-être devrions-nous aller voir s'ils s'en sortent. La Légion. Mmh. Expédition au Tumulus. C'est quoi ça, non? Qui es-tu, Cassandra? Non, c'était quoi ça? Près de l'entrée de la grotte humaine, nous avons rencontré un aspirant dans le discours. Nous avons tué les morts vivants de la grotte et avons même réussi à sauver tous les hommes qui les affrontaient. Ils ont dit qu'ils demanderaient à la Légion de s'occuper d'eux. Peut-être que nous devrions aller voir s'ils s'en sortent. Ah, faut qu'on aille parler au commandant de la Légion pour vérifier qu'ils ont bien pris les nouveaux mecs.
D'accord. Qu'on avait sauvé dans la grotte avec le robot bizarre, visiblement. Je vais finir de parler. What news? Oh, c'est Blanche. C'est une jeune fille charmante pour sûr. Elle possède une petite hutte dans les bois de Lucula, juste au nord d'ici. Ah, la sorcière Blanche. J'ai regardé pour... Ouais. Pour la quête, vous m'envoyez chargé. Charmé. Charmé, ouais, pardon, putain. Et en fait, c'est juste qu'il faut qu'on repasse dans la zone où elle était. Non et si on repasse, on verra que les gardes, ils ont été butés par la meuf qu'on avait sauvée, quoi. Mais c'est tout, ça s'arrêtera là, je crois. Genre, j'aurais rien d'autre à voir. Bon, je pense qu'il a plus rien à nous dire, le maire, là. Non, le maire, il a plus rien à nous dire, ouais. On peut aller voir le... Toi, tu vas voir la Légion. Moi, ouais. Je vais aller voir les gardes, là, pour vous m'envoyez charmé. Ouais, ouais, d'accord. Et tu te souviens où c'était, ouais? Ouais, bah, c'était au port. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Un de nos premiers combats épiques, d'ailleurs. On avait dû recharger, mais on avait tué tout le monde. Oui, on voulait tuer tout le monde, ouais. Ce qui nous gonflait. Ouais. On pouvait pas voler leur coffre fort. Putain. C'est quoi ça? Pourquoi c'est une étoile jaune? Ah, forcément, c'est pas passé par là. Oui, il y a une étoile jaune là-dedans. Où ça? Ah, c'est un passage secret, ouais. Ah oui, maison de Reginald, ouais. Ok, ouais, c'est bien. Je veux aller ici, là. Ah, ça fait plaisir de retrouver ces décors, là. Ouais. C'est même bien fait, putain. Ouais, c'est vrai, hein, c'est pas mal. Attends, un peu d'une... Peut-être qu'on aura droit à un beau combat. Parlez-moi de vous. Non, merci. Non, en fait, il faut que je trouve les légionnaires, mais je sais pas où ils sont, je pense. Je sais pas où ils sont. Parce qu'Aureus, il a rien à me dire. C'était l'orque qui était là-bas. Ah, ils nous aiment bien les légionnaires là. C'est un honneur de nous rencontrer maintenant, quand on leur parle. Ah, journal mis à jour, t'as fait quoi? Non, j'ai rien fait. Ah si, mais si, je pense, parce que t'as dû passer. Ah, mais c'est les deux gardes morts là, je suis voilà. Où il y a les deux gardes morts. Ok, bah c'est ça en fait. Donc l'orque qu'on a sauvé les a butés. Voilà. Ah. Et du coup, il y a plein de trucs par terre. Ah, c'est cool ça. Mortier et pilon. Moira. Ces idiots sont morts. Je savais que ce faux femelle n'apporterait que des ennuis. Où sont les deux soldats qui gardaient l'entrée de l'entrepôt? Oups, c'était cette c'est pas nous. Elle les a brisés, elle les a attrapés, leur a rompu le cou et s'est enfuie comme une bête sauvage. Je peux m'estimer heureuse qu'elle ne m'ait pas remarqué, aussi inconcevable que ce soit. Je préfère partir. Ouais. Je préfère toujours partir. Donc, où sont les... Ah, du coup, quête terminée. Ouais, voilà. Ta-na-na-na. Alors, je sais pas si tu viens aussi, on était allé dans un lieu super bizarre, là, où on avait, genre... C'était quoi, déjà, le truc? On avait... On était allé dans une sorte de palais dans l'espace, là, il nous avait dit de revenir. Oui, j'avoue, ouais. Alors ça, je sais pas du tout comment on peut faire pour y retourner ou... Ouais, je sais plus comment on était allé, putain. Parce que ça avait l'air d'être important, genre, c'est là où il y a tous nos... Enfin, c'est genre, ça avait l'air d'être notre palais, quoi. Ouais. Alors attends, le lieutenant Selenia nous a parlé d'une expédition de la Légion partie pour les Tumulus, ouais. Située au nord de la ville. D'accord, on ira après, donc, je pense. Bah en fait, c'est ça que tu cherches. Ah ouais? C'est l'expédition de la Légion. Et Ah oui, ça c'est la Légion, d'accord. Un archéologue accompagnait ses soldats pour les aider à examiner les tombes dans l'espoir de résoudre le mystère entourant l'apparition des morts vivants. Donc faut qu'on aille au nord. Il y a encore ce rat qui veut me parler là. Je sais pas comment il fait pour me trouver à chaque fois. Il y aura plein de trucs. Non. Terminé. Oula. Je veux pas déclencher de bagarre, les mecs. Je m'en vais. Alors, le nord.
Ah, faut que j'aille dans le sous-sol de la caserne. Ciel, porte nord. Donc je suis où là? Carte. Tac, tac, tac. C'est où le sous-sol de la caserne? Ah oui, c'est là. Je pense qu'il faut qu'on aille à l'église abandonnée, en fait. Ouais, ok. Il faut juste que j'aille dans le sous-sol de la caverne pour finir une des quêtes. Villa en ruine. Porte abandonnée. C'est où, ça? Ah, il y a des rats. Je vais tuer un rat. Merde, je l'ai pas eu. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah putain, t'es gagné. J'arrive. Non, mais c'est pas. Je suis trop loin, en fait. Parce que l'église abandonnée de ton côté. Ok. Merde, tu as disparu. Je ne te vois même plus sur la carte. Je suis dans la caserne, dans le sous-sol de la caserne, là où il y a la flèche, l'étoile jaune du commandant. Là. Ah. Donc nous sommes rentrés à Cizéal pour nous rétablir et le lieutenant Selenia a eu vent de notre histoire. Elle nous a dit que nous étions des braves et nous a proposé de devenir les légionnaires qui garderaient cette salle du trésor. Et je lui ai demandé de m'ouvrir la salle du trésor alors. Je suis le seul qui a accepté, ceci dit, j'imagine que les autres... Ça vous ennuie si j'entre dans la salle du trésor? Je ne sais pas trop. Tout ce qu'on demande, c'est de refouler les gens. Ah. Alors attends, je peux soit l'intimider, l'amadouer ou le convaincre. Mais je sais plus... Je vais convaincre, moi, je pense. Ok, je sais plus ce que j'ai comme caractéristique. Ouais. Les rats sont des méchants dans les jeux. Ah merde, c'est une pierre feuille papier ciseaux, là. Ouais, c'est casse-couille. Ouais. Alors, feuille. Putain. Merde, je peux pas voir ta partie. Merde, il m'a eu. Mais c'est n'importe quoi, ce jeu, de toute façon. Ouais, c'est totalement le hasard. Ouais. Ok, 6 feuilles. Ah putain, fais chier. Je vais refaire feuille, putain. Oh, encore ciseaux, non mais il déconne, c'est n'importe quoi. Allez, il y a 4, il y a 8-8 là. Prochain qui gagne. Vas-y, dis-moi un truc, pierre, feuille ou ciseaux là, je fais. Ciseaux. Ciseaux. Oui, on a gagné. Boum. Bien joué. Oui, ok. Ouh, l'XP. On fait vite. Oui, oui, on va faire très vite. T'embête pas. Oh, l'XP. Vas-y, rentre et ferme la porte. Je peux pas fermer. Merde, ok. Wolgraf. Ça, c'est le moment où Wolgraf, il doit briller, là. Par contre, c'est pas en rouge, hein. Ah, là, vas-y, on se fait plaisir, alors. Bah ouais. Alors, j'ai un livre de cuisine. Oh, il y a un autre livre sur la table, là. Salut. Recette. Oh, salut. On prend tout, même les bouteilles. Parchemin, tac, tac, tac. On peut retaper. Nous ne volons pas, nous ne faisons que réquisitionner. Ah, c'est pas rouge, c'est pas du vol. Hein. Je suis désolé. Ah bah oui. Et on sort. Bon, bah, il y avait rien d'intéressant. Elle t'a tout pris, ouais. Ok. Il y avait un truc bien dans le coffre. Ouais, il y avait des objets, ouais. Parce que moi, il ne m'est pas marqué qu'il est vide. Ah si, bah. Il y avait un anneau que je t'envoie qu'il faut identifier. Ok. Et une épée. Bon, bah on a rien vu. Alors, à ce qui paraît, il y a un truc sur Tom ici, mais là, je vois pas. Il y a un bâton. Je te l'envoie. Grenade. Il n'y a pas des têtes de flèches là. Ah, si. Il y a bien d'autres. Et alors, du coup, on a fini une quête qui est l'expérience ratée d'Arou. Mais on a rien sur Tom. Et pourtant, j'ai regardé Tom, en fait, il était lié à la quête de Haru, donc on a dû le louper. C'est pas grave. Sur laquelle? Ah, l'expérience ratée d'Haru? Ouais, le Tom apprenti aventurier, là. Ah. En fait, il fallait ramasser après le combat. Avec l'expérience ratée d'Haru, on aurait dû ramasser une lettre sur son corps, mais on n'a pas vu, quoi. Tant pis pour nous. Je le vois pas... texte. Non, l'expérience ratée d'Haru? Ouais, non, mais je suis allé voir sur internet pour le tome là. Ah, d'accord.
On a loupé, mais dans la quête, on aurait pu ramasser une lettre de Charlène qui confirmait l'identité de Tom parmi les cadavres. En fait, tous les rats sont en jaune, quoi. Ouais. Il y a un cadavre de mouton au milieu de la ville. Bon, je vais me préparer, je répare mon équipement et... D'accord. Cadavre de mouton, qu'est-ce qu'il fout là? Je le reprends. Mais c'est lourd, fais gaffe, hein, je crois. Ah bon? Ouais, non. Si tu l'as mis sur... Je suis à 127 sur 210, tout va bien. Ok. Et du coup, je vais aller voir le chat, quand même, au cas où, dans la taverne. Ouais, mais je me souviens, on pouvait pas lui parler. Bah... Oui, on tu sais, on recrutera un personnage de plus et on lui fera apprendre les animaux, là. C'était où, déjà? C'est un gros bâtiment, mais... C'est en bas, je crois. Ah non, attends. Non, c'est à gauche. Ouais, tiens, t'arrives dessus. Je sais où c'est... C'est où l'entrée? Alors, bonjour. C'est où l'entrée de cette merde? Ah, c'est là. Bonjour. Attends, mais merde, c'est quoi? Ah oui, si, bah, elle m'aime bien, c'est bien. Alors. Alors, le chacha, sa main submersible, miaou, terminé. D'accord. Jahan. Ah, Jahan, c'est un mec qu'on peut recruter. Ah. Ça me parle. Mais on sait pas ce qu'il fait. Ouais, mais au pire, on reprend l'autre ensuite. Examiner. Niveau 8, aptitude 35. Talent scientifique. Vous procure un point bonus en forge et un autre en fabrication. Augmente la portée des sorts et des parchemins de 2 mètres. Affinité élémentaire réduit le coût en point d'action des sorts de 1 lorsque vous trouvez sur une surface du même élément que le sort. D'accord. Et Madora, qu'est-ce qu'elle fait? Opportuniste. Ah, la musique. Ah, mais ça vient de là, la musique! De quoi? C'est la musique des lives de Crène. Dans l'auberge. D'accord. Ah, je pensais pas que ça venait de Divinity. Putain, ça vient de Divinity, quoi. Tu connais Crane? Non, je connais pas. C'est un YouTube. C'est un. Le mec qui travaille chez jeuxvideo.com et qui fait les live aventures avec le joueur du grenier. Ah oui, ok, je vois, ouais. Je vois. Et il a un générique. Il a son générique, en fait, c'est cette musique. D'accord, ok. Alors, opportuniste, vous permet d'effectuer les attaques d'opportunité. Si un adversaire vous porte un coup normalement mortel, revenant vous permet de conserver un PV à condition qu'il vous reste plus d'un avant l'attaque, empressement, que sous la merde. C'est de la merde, Madora, tu es nul. On a recruté que 2 autres mecs. Hein. Ouais. Mais tiens, mais là, s'il y en a un qui est nul, on pourrait utiliser ses points pour lui apprendre d'autres trucs. Ah, donc il faudrait que je le recrute. Ouais. Bah, je sais pas, ouais, on pourrait apprendre, tu sais, genre on prend l'un d'eux et on lui apprend. Vas-y, je vais prendre. Je sais pas trop. Madora. Always helps to know a thing or two about who's covering your back against the Nashian hordes, eh? Well, I'd be delighted, except it seems you've got all the help you need. Mighty shame leaving old Madora. Ah oui, d'accord, faut que je vire Berdo d'abord. I am on the trail, Source Hunter. Du coup, qui est le groupe pour un moment, ok. Accepté. Madora. Onward. Oh putain, elle a pris 43 610 XP. Je te laisse faire la même avec Jahan. Je me souviens d'elle. Ah, tu veux que je la contrôle? Bah, Jahan, c'est un spécialiste des sorts, je suis pas aussi... Ah mais on les avait au début, on les a eu dans notre groupe. Hein, Et oui. Madora, c'était la guerrière. Et ouais. Bah vas-y, si tu veux, ouais, non, bah... Du coup, j'ai 7 points disponibles en capacité. T'as qu'à lui mettre le parler aux animaux, là. Alors attends, talent. Ouais. La
Lafto, mon précieux, mulet, pas de loup, peau dure, planteur scientifique, super compétent. Trouve flèche. Faut genre un truc genre ami des bêtes, attends, je sais plus. Faut que je regarde. Mais vous soignez avec le poison, mais les soins normaux vous infligeront des dégâts. Merde, je crois qu'elle elle peut pas y avoir accès. Affinité élémentaire. Attaque sournoise. Brute épaisse. Canon de verre. Courageux. Dîner 5 étoiles. Double les effets. Cool ce jeu. Mais ouais, il est cool. Fortitude. Fronde. La santé incarnée. Lefto. Maître de l'évasion, mon précieux. Monsieur, je sais tout. Ça, c'est moi. Putain, non, ça, c'est Wolgraf, en fait. Ami des bêtes. Donc, ami des bêtes. Ouais, ouais, il y a un talent, ami des bêtes. Regarde peut-être sur Jaon et pas sur elle, parce que peut-être que c'est un truc de mage, tu vois. Ouais. De gens intelligents. Elle l'a pas du tout. Mais du coup, est-ce que je la booste en quelque chose que ce soit? Non, bah garde pour plus tard, peut-être qu'on en aura besoin, mais elle reprendra l'XP quand on la prendra. C'est G, ok. Parce qu'elle a qu'un point disponible. Parce que le... Ah, mais je pense que le ami des bêtes, c'est que pour les personnages principaux, peut-être. Genre toi ou moi. Parce que Wolgraf, il l'a pas non plus. Alors, je vais la virer, parce qu'en plus, elle est à poil, cette conne. Ouais, on lui avait retiré tout son équipement pour le vendre. C'était gros rapace. Allez, quitte le groupe. D'ailleurs, Jean, je vais le foutre à poil, tiens. Merde, non, je... Ok, j'ai failli voler un truc sans faire exprès. Non, merde. Jean. 43 000 XP, boum. Daemon, daemonium. And so let the hunt continue. Alors, Jean, tac. Inventaire. Alors, pareil, il a un point disponible. Merde, c'est la même chose. Il l'a pas. Merde. Attends, faut peut-être avoir une compétence pour débloquer ça. Mais non, il l'a pas. Est-ce que je l'ai, moi? Peut-être que je l'ai même pas, en fait, moi aussi. Ah si, j'ai ami des bêtes. Permet de parler aux animaux. Merde, putain. Il y a que les personnages principaux, ouais. Ouais, il y a que les personnages principaux, j'ai l'impression. Dommage. Bon, bah on les laisse comme ça. Vas-y, je vais lui virer ses vêtements. en plus, il a une bonne tunique. Hein. 8% résistance à l'eau, plus 10 PV, 22 d'armure. Ça peut peut-être t'intéresser. Ouais, non, c'est moi qui lui avais donné, parce que ça m'intéressait bâton pas. Bâton de combat de Jaon, je récupère. Brassard de Jaon, je récupère ses bottes. Je veux tes bottes et ta moto. Ah là, il est à poil. Eh, il est... Putain, il est mastoc, eh, dis donc. Eh. Tu vas te calmer, le noir, là. Tac. Allez, quitte le groupe. Du coup, Berdotre. Berdotre. À poil, à poil. Très bien. Putain, j'ai 10 milliards de baguettes, moi. Ah, c'est rigolo, c'est-à-dire que Crane avait bien aimé ce jeu aussi. Ah, t'es en train de faire tes courses, tiens, ben, je vais en profiter aussi. Ouais, ouais, je fais un peu de courses, désolé. Je pense que je vais... Il y avait une armurerie ou une forge. Je crois que n'importe qui peut réparer, mais... Alors, berre d'autre, arc plein. Je vais vendre plein de trucs. Faut les vendre. Ces bottes là, c'est de la merde. J'ai d'autres trucs à vendre. Parchemin de résurrection, que ça va garder.
Ok. Sidérion. J'ai une pioche. Canapé. 15 millions de choses à vendre. Ouais, pareil. Donc je vais acheter des flèches. Je vais t'en passer aussi d'ailleurs. Hop. Livre ah merde, de... elle a pas assez de thunes. Elle vend des livres de compétences. Absorption des éléments. Réduit l'armure. Putain. Réduit l'armure. Mais augmente toutes les résistances élémentaires. Améliore la vue d'une cible, augmente de 50 ses chances de toucher avec les armes à distance pendant 4 tours. Tireur d'élite expert. Oh putain, ça c'est bon ça. Tire une flèche ordinaire qui inflige 134 points de dégâts qui bifurque vers sa prochaine cible un maximum de 4 fois dans un rayon de 8 mètres. Putain, mais c'est bon. Ah ben ricochet, mais je l'ai déjà ça. Posture de puissance. Posture de précision, ça je l'avais déjà. Tu m'as filé un anneau ? Ouais, j'ai dû te filer un truc, c'est possible. Oh, elle vend une épée. Tu me files un bâton ? Attends, attends. C'est toi qui me files des trucs, là ? Parce que j'ai un bâton qui vient de popper. Ah, mais non, mais moi, je suis en train de vendre des trucs. Bah, ça vient de popper dans mon truc, là. Mais ça sert à rien. Mais on parle pas à la même, là. Attends, il y a un bug, je pense. Moi, moi je parle à celle qui vend des flèches. Ah merde, bah, je viens de vendre des trucs. Attends, je comprends rien de ce qui se passe. Non, moi je parle pas à celle qui vend des flèches. Hein. Ah mais attends, tout ce que t'as acheté c'est aller chez moi. Mais j'ai rien acheté encore. Mais il y a des flèches, je viens de recevoir des flèches envoûtantes, flèches de ralentissement, flèches de nuages empoisonnés et flèches de feu. Mais non, mais quand tu veux vendre des trucs, en fait ça se téléporte, je crois. Ouais. C'est très chelou. C'est extrêmement chelou. Si je pose ça, est-ce que tu vois un truc là ? Bah attends, je vais arrêter mon commerce, je t'envoie ce que j'ai eu. Je vais te les balancer sur qui tu les veux, sur Berdautre ? Non, là je suis avec Silverion. Là. Enfin, les ouais, flèches, c'est Berdautre. Ouais. Ouais. Et toi, je t'enverrai. Ouais, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Chillac du géomancien. Un bâton 30-44, dégâts de terre 4-6. Coup critique de 100%. On a plein de loupes d'identification, mais ça me sert à rien, je crois. Si, peut-être. Je sais même pas à combien est son arc. Il est à combien ton arc ? 52,90, dégâts de l'eau, 8,13. D'accord. Il n'y a pas de meilleur arc. Ça, je pense que je peux vendre. Elles vont pas énormément de choses de ouf. Hein. Plus 1 en télékinésie, plus 2 en initiative, des gants. Plus 1 porte-bonheur, plus 6 PV. Donc ça, tout ça, je peux vendre. Ah tiens, j'ai d'autres flèches, là. Oh, c'est bien, ça. 48 d'armure. Plus 1 initiative. Ouais. C'est juste bon en armure. Baguette d'air délicate en bois, baguette de terre en bois. Bon, en arme, c'est pas génial. Mm-hmm. Vas-y, je vais lui prendre ça. Je vais lui prendre ça. Ah ouais, putain, j'ai un sac à dos à clés là. Toutes mes clés dedans. Je vais lui prendre toutes les flèches là. Si t'as des clés, si tu veux, tu peux les envoyer sur Trogrod. J'ai un sac à dos avec toutes les clés. Ah d'accord, ouais j'en ai plus. Ça sert à rien. Absorption des éléments. Œil de faucon. Je crois que je l'ai déjà ça. Le cocher, posture de puissance, posture de précision. Ça j'ai karma de survivant. Améliore vos chances. Votre chance et vos chances de coups critiques ainsi que celles de ceux qui vous entourent. Premier secours. Ah merde, je savais pas, il y avait pas un autre bouquin. Putain, j'envoie des trucs de flèches. Je prends ça. Alors du coup, je vends. Fais gaffe, parce que t'as sûrement plein d'éléments de fabrication sur Berdaut. Genre. Je sais pas moi, des trucs de flèches, des herbes, des machins, des...
Ça peut être utile. Si on veut fabriquer des potions. Enfin, des. Ouais, je sais pas trop. On sait jamais, genre des rondins de bois. Ouais, tout ça je garde. Ok, bah tiens, je t'envoie. Je les file à Berdot, ouais, c'est elle qui, ouais, qui a la forge. Je lui en envoie aussi, alors. Tac, tac. Tellement de trucs à vendre, putain. Tiens, je sais plus comment on voit les compétences. Ah mais on est limité. Ah non, on est limité. C'est quoi, c'est K? Ah ouais, c'est ça, c'est K pour voir les compétences. Alors. Ah, je les atteins pas. Hein. On est vraiment tout énervé là. Est-ce que j'en rajoute de l'or? Oh, ça vaut de la thune, ça. Quiet day on the market, it seems. Je vais rajouter de l'or. Donc là, il me faudrait 200, 535. Pas écrire, hein. Merde, je suis à 2 off. Quiet day on the market, it seems. Là, Validus, boum, j'accepte votre offre, voilà, c'est fait, moi j'ai fini, tac, j'envoie à Berdoutre, tous mes trucs de flèche. Putain, je suis pas le poissonnier. Non, ça c'est Berdoutre. Tac, tac, je peux plus le vendre, ça. Alors, Berdoux, tac, tac, tac. Là, tu vois pas des trucs apparaître dans ton écran, là, genre des anneaux ou des machins. Y a pas de problème. D'accord. Non. Ouais, je sais pas. Alors. Les clés, donc j'envoie tout à Wolfgrave, c'est ça les clés? Merde. Ouais, alors attends. Alors, on s'organise. Non, à Trogrod les clés. Enfin, c'est pas grave. Ah merde, j'ai tout envoyé à Volgraf. Je peux lui passer le sac à dos, de toute façon, c'est pas très grave. Alors, tac, et là, il reste quoi? Ok. Et ça, potion de résistance. Un carlé, effet inconnu. Ok, je vois bien. D'être expert, ok, j'envoie à Berthoutre, et donc elle devrait pouvoir apprendre ça. Ouh, tireur d'élite expert. C'est bon, ça. Oh, putain, elle a des trucs de malade, elle. Bon, ben moi, je suis bon. Ok. J'arrive, alors attends. Ça, tac. En fait, c'est tout ce que je lui ai vendu depuis le début, et là. Ouh. Elle a combien ton armure en protection? 50 plus 1, plus 0 en déplacement incassable. D'accord, parce que t'as une armure. Ah, incassable, c'est bon ça. Ouais. Il y a une armure bleue là qui est pas mal, putain. Les niveaux 9 et 70 d'armure. Je voyais ça. Alors. Je suis quel niveau? Je suis niveau 8. Ouais. 177 lieux de régénération. J'ai déjà ça. Non, ça n'empêche de l'acheter et au prochain niveau on peut s'équiper. Ouais. Ouais, mais j'ai pas assez de thunes. On peut pas la voler non plus, je pense. La voler. Eau de vie. Tu vends des quoi, toi? So, Santa's, eh? Right, proper, we're finally getting home. If you've got a favorite sheep, best to fire up now, before she gets thieved in the night, like me dear plump ogre. Foudre, mauvaise. Bon, voilà, attends, je fais cet échange-là, j'arrive. Ah, il fallait que je répare mes équipements. Those miners must be prepared. Oh, oh, Ogre. Équipé.
Throwing that hog in the grinder can hardly make up now that the herd's gone. 91 pièces d'or pour l'équipe. D'accord. Tac. Elle a rajouté une quête. Et il y a la meuf là qui s'est fait voler ses brebis là. Non. Que ça nous a pas rajouté, on avait déjà dû l'ajouter. Ah, ok. Voilà, trop grande. Équipée. C'est très étrange. Merde. Tu fais furtivité. Ah, ok. Ok, moi je vais. Je me dirige vers la porte nord-est là. Ok, j'arrive. C'est le téléporteur là. Non, c'est au-dessus de la maison d'Arou là. J'y vais à pied là. Ok. Y a quoi à faire là-bas? C'est la suite de notre quête. Ah, mais donc tu retournes à la maison où on était tout à l'heure. C'est ça? Ouais. Enfin, même au-delà. Ah bah, je vais au téléporteur. Sur le point jaune, en fait. J'arrive, je vais au téléporteur. J'arrive, parce que je suis en retard. C'est le point jaune église abandonnée. Ouais. J'arrive.